À ce stade-ci, comme on parlait de comment réussir la culture de la banane plantée, bon, on a parlé des généralités et on a vu comment préparer le site. Bon, à ce moment-ci, on a au niveau de la loi des 4S. Bon, tout à l'heure, tu demandais si la 4S, c'était 4 semences. Non. 4S, ce n'est pas 4 semences. La 4S est une loi que nous avons développée au sein de la structure pour essayer de résumer et de rassembler en fait les éléments ou les informations capitales pour réussir tout projet agricole. Alors, c'est quoi la 4S? Elle est constituée de la semence. Elle est constituée du sol, du semis et du suivi. Ça veut dire que pour réussir tout projet agricole, tu dois pouvoir te rassurer d'avoir comme allié la loi des 4S. Alors, ça veut dire que pour toi qui prépare la campagne 2022, pour vous qui prépare la campagne 2022, que vous avez besoin donc, de réussir votre projet, dans la banane plantée ou dans l'ananas, il faut vous rassurer exactement d'avoir la loi des 4S comme allié. Ça veut dire qu'il faut se rassurer d'avoir la semence de qualité. Bon, maintenant, dans le cas de la banane plantée, on a la possibilité d'aller avec les rejetons ou les pifs. Mais sauf que nous préconisons beaucoup plus les pifs. Pourquoi? Parce qu'avec le pif, il y a déjà l'aspect sanitaire qui est là. Il y a déjà la pureté variétale qui est là. Et ce sont des critères qui font partie, qui garantissent la qualité d'une semence. Tu vois? Donc, le fait d'avoir déjà les semences de bonne qualité, le fait de se rassurer de la pureté variétale, le fait de se rassurer de la quantité qui soit disponible, tu vois que c'est ça qui oriente déjà le fait qu'on dise qu'il faut pouvoir utiliser les pifs. Non seulement ça aussi, en utilisant les pifs, toi, tu vas te rendre compte que tu vas faire une récolte groupée, homogène et conséquente. Par conséquent, si tu utilises les rejetons, tu vas te rendre compte que la croissance sera désorganisée, elle ne sera pas homogène. Donc tu vas venir récolter un régime réduit, après 3 mois, 2 semaines, tu récoltes un régime. Tu vois, donc ce n'est pas intéressant en termes de business. Mais par conséquent, si tu mets une production de 2000, 3000 plants et que tu récoltes une bonne quantité au moment, 500 régimes, 1000 régimes, c'est intéressant. Donc voilà encore l'avantage qu'offrent les pifs. Mais par conséquent, si tu utilises les rejetons, si tu as besoin d'être 5000, 10 000 rejetons, tu vois que c'est difficile pour un producteur de te fournir 10 000 rejetons. Il va falloir que tu ailles trouver des rejetons chez différentes personnes. Or, en diversifiant la source des semences, ça diversifie aussi les sources de maladies, des pathogènes. Ce qui fait que tu auras un champ vraiment infesté de maladies et tu n'auras pas un bon rendement par la suite. Donc, il est important de privilégier les semences de qualité. Pourquoi pas les pifs? C'est très intéressant. Mais il ne faut pas jouer. J'aime souvent dire, mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Parce qu'il ne sert à rien de se lancer avec des mauvaises semences. Tu vas te rattraper. Donc, par exemple, la loi des 4S, je suppose que vraiment, c'est compris aujourd'hui et qu'il n'y a plus de souci à travers cette loi. Il y a la semence, il y a le sol, il y a le semis et il y a le suivi. Donc, tu vois que, comme on a parlé tout à l'heure des pifs, on a donc expliqué l'avantage de pouvoir utiliser les pifs et non pas les rejetons. Mais ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas utiliser les rejetons. Mais maintenant, vous pouvez utiliser les rejetons qui proviennent de votre plantation, si la plantation est très bien suivie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire à la première génération, parce que beaucoup font cette erreur, ils ne comprennent pas. Avec la banane plantée ou les ananas, on a cette capacité de multiplier ou d'étendre son exploitation. Ça veut dire quand je me lance sur 1 hectare de banane plantée, je peux passer d'un hectare à 2 hectares ou à 3 hectares la campagne suivante, parce que j'aurai les rejetons qui vont sortir de mon exploitation, qui vont permettre d'étendre. Or, si à la base, j'ai raté la qualité de la semence, je ne vais pas pouvoir étendre mon exploitation. Donc, pourquoi il est important de se rassurer que la première génération, que la F1, soit de très bonne qualité, parce qu'on va les utiliser plus tard pour étendre ou pour multiplier. Et aussi, il faut bien pouvoir diversifier les variétés. Ça veut dire que si je veux, je ne peux pas seulement mettre une seule variété de banane plantée au champ. Non, il me faut au moins 3 variétés minimum. Parce qu'en ayant 3 variétés, ça me permet aussi à moi de diversifier ma clientèle. Et plus je diversifie la clientèle, plus le revenu aussi est intéressant. Parce qu'il y a des variétés qui vont te faire 10 mois, des variétés qui vont te faire 12 mois, des variétés qui vont te faire 14 mois. Donc il faut bien pouvoir diversifier ces variétés. La question d'être conséquent sur le marché.
Parce que quoi? Il y a des saisons où la banane plantain est moins intéressante en termes de prix sur le marché. Tu vois, donc si tu as une seule variété et que tu sors ta production en ce moment-là où le prix est très bas, tu ne gagnes pas assez. Mais le fait d'avoir différentes variétés, la première variété peut sortir quand le marché n'est pas très bon. Tu vends quand même. Mais l'autre vient quand le marché est assez intéressant, tu vends et tu essaies d'équilibrer les charges et le retour sur investissement encore plus intéressant. Donc, il faut mettre au minimum 3 variétés dans ton exploitation. Donc, je ne sais pas s'il y a une question, c'est compris par rapport à ça. Ok. Non, c'est les pifs. Avec les pifs, on peut multiplier toutes les variétés. Les 3 variétés, c'est le pif que tu utilises toujours. Et c'est-à-dire que tu peux pouvoir utiliser toi, tu pourras pouvoir utiliser les rejetons que lorsque tu as ton exploitation que tu as mis sur pied et que tu suis bien ton exploitation, là tu récupères tes rejetons, que tu as éteint ton exploitation. Mais si c'est pour lancer ta première exploitation, il ne te conseille pas d'utiliser les pifs, les rejetons, autant pour moi, parce que là, ce sera difficile en termes de quantité, en termes de, on l'a dit tout à l'heure, de purité variétale, purité sanité. Parce que quand on parle de purité variétale, on dit quoi? Tu veux par exemple la variété bâtard. Pour être sûr que tu as les bâtards, c'est pas évident. Quelqu'un va te donner le rejet, il dit que non, ça c'est le rejet des bâtards. Tu vas te retrouver dedans peut-être avec le planté, avec la banane, alors que tu ne voulais pas la banane. Tu vas te retrouver avec d'autres variétés que tu ne désirais pas. Mais avec les pifs, il y a l'assurance de pouvoir avoir la purité variétale, ce qui est très important. Donc voilà un peu en gros en quoi consiste la loi des 4 S et son importance pour la réussite de tout projet agricole. Parce qu'un projet agricole qui ne repose pas sur cette loi, c'est un projet qui est voué à l'échec. Donc j'espère vraiment que toi, au sortir d'ici, au sortir de cette formation, tu auras vraiment une idée claire sur la loi des 4 S et que tu sauras mettre cela en pratique et aussi divulguer cela autour de toi. Parce que l'idée, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer, c'est de former les agripreneurs et les Africains qui puissent comprendre que l'agriculture, c'est un business. On ne se lance pas par suivisme, par hasard, non. Il faut bien pouvoir avoir un objectif, une orientation. Et pour cela, il est important de prendre des formations comme tu le fais, de prendre des consultations pour pouvoir mieux orienter son projet. Et là, on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Et on se rassure effectivement maintenant, est-ce que je suis même prêt? Parce qu'après cette formation-ci, tu vas pouvoir te demander si tu es même prêt avec tout ce qu'on va voir ou tout ce qu'on est en train de voir. Il faut te demander si tu es même prêt pour commencer le projet ou pas. Parce que tu pensais peut-être prêt, mais avec ce qu'on va se dire ici, tu vois peut-être qu'il te faut encore du temps. Et mieux vaut prendre du temps, on dit souvent qu'il faut mieux vaut prendre de l'élan, ou mieux vaut prendre son temps pour mieux aiguiser sa matière et aller abattre son arbre tranquillement, que de se précipiter avec une matière qui n'est pas aiguisée, aller chercher à abattre un arbre. Donc, je pense que ce sera vraiment très bénéfique. Et on interpelle aussi beaucoup d'autres agripreneurs, promoteurs à faire pareil avant le lancement de leur projet. Donc, c'est un peu ça. Donc, parce qu'on ne peut pas vouloir prendre des millions, aller mettre au champ, et ne pas chercher à avoir la bonne information, les bons conseils, et se rassurer vraiment de ce qu'on veut faire et de sa faisabilité. Donc c'est très capital. Donc, on va donc pouvoir passer à l'étape suivante. Mais qu'à cela tient, on va mettre une petite pause. Bye bye.